Yo, c'est tout le monde Serena et bienvenue dans ce tutoriel sur Pokémon version bouclier dans lequel je vais vous montrer comment capturer Mukuskul et le faire évoluer en Colimucus et Muplodocus. Alors pour commencer, on va aller chercher notre Mukuskul et pour cela, on va se rendre sur les terres sauvages au niveau du lac Ouragan. On va donc voler à Kickenham. Il vous faut la météo pluvieuse, il faut un temps de pluie absolument pour que le Mukuskul puisse apparaître. Donc pour ma part, vous allez le voir, j'ai déjà un temps de pluie. Tac, vous voyez un petit nuage avec de la pluie. Si vous n'avez pas le temps de pluie, vous faites menu home, vous allez dans les paramètres de la console, vous allez tout en bas dans console, date et heure actuelle, et puis vous changez le jour d'un jour. Vous voyez, moi je suis sur le 24 juin, vous pouvez vous mettre sur le même jour pour avoir également de la pluie. Alors, on revient dans le jeu. Et on va du coup partir dans les terres sauvages. Pour obtenir Mukuskul, il faut que vous ayez débloqué le vélo aquatique. Le vélo qui va sur l'eau, vous le débloquez juste après le 6ème badge. Donc si vous ne l'avez pas encore, eh bien avancez un petit peu dans l'aventure, il va arriver. On part du coup par la droite. Donc le lac Ouragan, c'est le même endroit dans lequel vous pouvez trouver Métamorph. Vous pouvez trouver Motisma, vous avez également les pierres pour les évolutions. Donc il est possible que vous y soyez déjà allé à plusieurs reprises. Donc on va par ici, et ça va être l'île qui va être juste en face. Et donc le Mukuskul, on va pouvoir le trouver dans les points d'exclamation. Donc il va falloir rencontrer tous les points d'exclamation que vous pouvez trouver dans les herbes, en tournant dans les herbes, et il a seulement 2% de chance d'apparaître. Donc il va falloir vous armer de patience. Donc faites attention, il y a de gros Pokémon, il va falloir quand même aller dans l'herbe pour tourner un petit peu et faire apparaître les points d'exclamation. Là, il y en a un, hop, on va y aller, on va voir si c'est un Mukuskul. C'est pas un Mukuskul. Du coup, vous pouvez tout simplement fuir le combat et puis recommencer à tourner dans les herbes. N'oubliez pas de prendre dans votre équipe un Pokémon qui peut affaiblir le Pokémon adverse. Donc typiquement, moi j'ai pris un Scalproy qui a l'attaque Fauchage, qui est disponible dans le centre Pokémon au nord-ouest de Motor Bay, qui me permettra d'affaiblir le Mukuskul tout en lui laissant un PV lorsqu'on l'aura rencontré pour maximiser les chances de le capturer. Munissez-vous aussi bien sûr d'Hyper Ball si vous les avez débloqués dans le jeu. Ah, donc vous voyez, c'est pas une zone très très simple, les Pokémon nous foncent dessus, c'est pour ça qu'il faut rester à vélo, parce que sinon vous irez plus lentement qu'eux. Et si vous allez plus lentement qu'eux, ils vont vous rattraper, vous allez perdre un temps fou à les fuir. Donc vraiment, faites comme moi, restez à vélo, tournez, évitez les gros Pokémon, mettez-vous dans des coins d'herbe un petit peu vides, et puis tournez sur place jusqu'à ce qu'un point d'exclamation apparaisse, et puis ensuite vous le rencontrez et vous espérez que ce soit un Mukuskul. 1 hour later... Le voilà! Oh les amis, j'y croyais plus! Ça fait 1h15! Oh là là! Oh là là, quelle galère! J'espère que vous l'avez trouvé aussi. Alors, Fauchage, ne vous trompez pas, ne le mettez pas KO. Oh là là, j'en peux plus. Je m'attendais plus à avoir un Shiny qu'à avoir un Mukuskul. C'est fou! C'est dingue! J'espère que vous aussi vous l'avez trouvé. Et en moins de temps que moi. Oh là là, d'habitude j'ai plutôt de la chance au niveau des rencontres de Pokémon rares. Et là, il m'a fallu 1h15. Mais maintenant, le plus dur est fait, donc surtout ne quittez pas la zone, restez bien dans cette zone avec votre Mukuskul, puisqu'on va en avoir besoin, tout simplement pour le faire évoluer, puisqu'il y a l'une des évolutions de Mukuskul qui n'évolue que par temps de pluie. Et du coup, vu qu'on est dans une zone où il y a justement de la pluie, eh bien on va s'en servir. Alors, Mukuskul évolue en Colimucus au niveau 40, donc on va le faire monter d'un seul niveau, ça suffira. Donc pour ça, on va utiliser les bonbons qui sont juste ici. Tac. Alors, je pense que 3, ça devrait être bon. Donc il est niveau 60 quand même. Hein. Mais avec des hyperboles et vous voyez un Fauchage, ça passe tout de suite. Vous le faites monter d'un seul niveau et il va évoluer en Colimucus. Sachez également que Colimucus, vous pouvez le trouver dans le même endroit, mais par temps orageux. Voilà, si jamais c'est Colimucus qui vous manque, plutôt que de chercher un Mukuskul, vous pouvez directement trouver le Colimucus, pareil, au lac Ouragan, avec 2% de chance par temps orageux. Maintenant, Colimucus, on va pouvoir le faire évoluer en Muplodocus, sous la pluie, en lui faisant prendre un niveau, et il faut qu'il soit au minimum au niveau 50. Donc vous montez votre Colimucus au niveau 50, et ensuite vous lui faites prendre un niveau sous la pluie, et il va... évoluer. Voilà, moi regardez, il était déjà au-dessus du niveau 50, du coup je lui ai juste fait prendre un niveau, comme on est sous la pluie, ça fonctionne, et il va évoluer en Muplodocus.
Et voilà les amis, c'est probablement le tutoriel pour lequel j'ai le plus galéré à trouver le Pokémon. J'espère que pour vous ça a été rapide et j'espère que vous êtes du coup content d'avoir complété cette famille dans votre Pokédex. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné le tuto jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mettrai les liens de mes autres tutoriels pour compléter le Pokédex. En tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye tout le monde !